Mais quel... Ah, pris une petite tête, hein. Ouais, bonjour à tous et bienvenue donc sur ce premier épisode de The Hunter Trimal. Trimal, ouais, c'est ça. The Hunter Trimal. Hunter Trimal. Alors, le but du jeu de Hunter Trimal, en fait, c'est simple, c'est de se faire bouffer par les dinosaures. C'est de chasser des trimars. Non, c'est de se faire bouffer par les dinosaures. C'est ça le but du jeu. Oui, comme des gros trimars. Comme des gros trimars. Voilà. Il fallait me laisser finir. Donc, le but de ce jeu est donc d'aller à la chasse aux dinosaures. Non, se faire chasser par les dinosaures. C'est ça plutôt. Non, c'est nous qui devons les chasser. Au début, c'est eux qui nous chassent, mais après, quand on sera équipé, c'est à eux de nous chasser. Est-ce que j'ai toujours mon matos, moi? C'est bien joué tout ça. Je suis niveau combien? Oui, j'ai 13 000 crédits. Et je suis niveau 5. C'est bon, j'ai toujours Merde. Un problème. Ah ouais, à courir. Donc l'objectif de cette petite série, je sais pas combien d'épisodes on va faire, ce sera de... Des rats de merde. T-Rex. Un T-Rex primal. Voilà. Donc ce sera notre objectif de chasser le T-Rex primal. Donc il y a des T-Rex basiques, mais il y a des T-Rex primal. Oui, justement, c'est pour ça que je dis que ce sera l'objectif et de tu sais cette que, petite... Et tu veux que tu dises Oui. J'ai vu une vidéo, et je crois qu'on est pas loin de son nid, en fait. En haut du volcan, c'est où il est. Bah, ça tombe bien, j'ai une machette en plus, donc ça tombe très bien. Après j'ai vu une vidéo, hein. C'est pas sûr que c'est... Mais d'un peu la carte, non, il mais était là-haut. Moi, j'ai vu d'autres vidéos où il se promène un petit peu partout, en fait, tu sais, ça se promène, quoi. Ah, bah, moi j'ai vu la vidéo, ouais, il était là-haut, je l'ai vu, j'en ai... Ah. On va déjà essayer de contourner, d'essayer de se rattraper. On passe que deux par le même côté. Ouais, j'ai un ami, là, qui me suit. Ah, oui, bah garde-le pour toi, parce que moi j'ai quand même achète. Oh, bah, merci. Il est mignon, regarde, il gueule comme une vache en étant en l'air, il est marrant. D'ailleurs, ça me donne envie de le capturer, tiens. Pokémon, attrapez-les tous, Pokémon. Un roux carnage chaud, vas-y, apparaît. Donc là notre objectif ça va être simplement d'être récupérer du matos déjà pour être équipé. Bon, Ash il est un petit peu équipé, moi je n'ai strictement que dalle. Moi, un petit une peu machette. Équipé. T'es malade ou quoi? J'ai juste un bazooka, c'est tout. Le mec il a minigun, char d'assaut T90. Non, je rigole. Et non j'ai pas pu. Le Ptera m'a emmené en haut du au sommet là-haut. Mais c'était pas au bon endroit où je voulais atterrir. Je vois ton Ptera là-bas. Bah oui, il se promène. C'est l'ascenseur, c'est le seul moyen de monter là-haut en fait. Hein. Donc. Ouais, c'est une dis. Ah foi, écoute. Je crois qu'il t'attaque. Ouais, je crois qu'il t'attaque. Non, il s'amuse, il me survole, il se dit tiens, il est marrant lui. Donc on va rester dans la partie nord ce coup-ci, on va éviter les autres. Hein. Je crois que t'as un T-Rex qui est en train de te courir après. Je dis ça moi, mais je dis rien. Un T-Rex? Mais qu'est-ce que tu racontes? Toi, y'a pas de T-Rex. C'est le Ptera de merde. Et en plus, à cause de toi, j'ai même pas esquivé, il m'a fait des dégâts là. Con Ptera là. Il arrive, attention, il attaque! What? J'ai esquivé, tu m'as touché quand même. Normal. Baisse-toi, faut que tu te baisses. Mais normalement, là, il est censé se manger le sol, normalement, hein, vu comment il remonte. Et attention, pourquoi moi? D'après les développeurs, le jeu le plus réaliste côté dinosaure, les mecs qui traversent les dinosaures traversent carrément la map, hein. Y a pas de problème. Ok. Ça c'est les problèmes de codage, c'est différent. Oui, je sais. Ça va, il est sur toi, il est pas sur moi. Ouais, t'as pas d'arme, tu m'as dit? Tu peux pas le shooter? Bah non, j'ai pas d'arme, j'ai pas pu, j'avais des missions, c'est tout. Ah bah voilà, ouais, alors en plus... Ah, bah balance toutes tes munitions à la gueule. Tiens, mon objectif c'était de monter là-haut pour looter les choses. J'avais les munitions, mais j'ai pas trouvé le passage. Et le Ptera m'a emmené là-haut, mais c'était pas du tout où il fallait aller. Donc ça fait que j'ai rien pu récupérer. Là j'ai un feu de camp. Hop, voilà, je me suis mis un marqueur. Un feu de camp. Oui, bah tu sais, une petite base. Quoi. Non mais attends, je crois qu'il t'aime bien, lui, n'empêche. Non mais le truc c'est que je suis carrément loin de lui quoi, il m'a touché quand même. What the fuck. Faut te baisser. Quoi, faut qu'on contourne.
tout ce qu'il est en face. En fait, en gros, il est de l'autre côté. Faut qu'on contourne tout le... Il est tout droit, là. Il est pas vers le nord, il est tout droit, en face. Vaut mieux qu'on reste dans le nord, si on va pas se faire bousiller par les autres saloperies, là. C'est en face. Là, on n'est pas dans le nord, là, on va sur l'est ou l'ouest, je sais plus, c'est un des deux. Je confonds toujours. Tu vois, les mignons, hein. Ah, c'est comme dit, on est accueilli par un Ptera Pokémon fossile. Ouais. C'est ça. Ben, vaut mieux qu'il retourne dans sa grotte, en fait. Hein. Il était dans sa grotte, il était bien. Ben, je sais quoi, ça. Le truc le plus nul, là. Hein. Tu te caches derrière un rocher, en mode accroupi ou même couché, il te touche quand même. Bon, moi, je continue, hein, sinon je peux pas t'aider. Et vu que c'est toi qui l'aime, moi je suis tranquille pour l'instant. Donc il n'y a pas de T-Rex, ça va. Ah, il a arrêté. Il vient plus. Qu'est-ce qu'il veut tuer ? Ouais, mais il attaque plus, on est en train de quitter sa zone, première vue, non ? Sa zone de chasse. À fond. Je suis en train de gueuler comme une vache, quoi, c'est horrible. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le secteur ? Pas de T-Rex au moins, parce que s'il y a un T-Rex. Alors, le problème de ce jeu, c'est que les dinosaures, on a beau se mettre en mode camouflage, ils nous repèrent à 10 bornes. Même s'ils tournent le dos. C'est de l'overcheat, quoi. Et après, le dinosaure, genre, il a une flèche au-dessus de ta tête, hein. Genre, il t'a marqué, tu sais. Il t'a mis un marqueur sur la tête, puis il te suit. Ah, c'est hein. Donc, on vient de pas me dire que c'est par rapport à l'aura ou. Enfin, l'odorat plutôt. Que les dinosaures peuvent te suivre, ça, c'est des mythos. Hein. Parce que sinon, on aurait un système de vent qui apparaîtrait sur le machin. Il y en a pas. Si, ils l'ont dit, mais il faut suivre les plantes, il faut suivre les feuilles, en fait. C'est les feuilles, le repère. Suivre les feuilles. Je suis les feuilles. Je t'assure, c'est le vent. Il va dans quel sens là? J'ai marqué, c'est ce qu'ils ont marqué. Il faut aller près d'un arbre et la feuille, selon comment elle tombe, c'est le vent où il est. La direction du vent. C'est ce qu'ils ont marqué. Pour information. Ouais, je t'inquiète. Hein. Mais bon, après, pour voilà, information, quand ouais. J'ai lancé une. Quand j'étais un moment. Ne continue pas là-bas, ne continue pas là-bas. Pourquoi? Parce qu'il y a un dinosaure qui court très vite en bas, là-bas. Et qu'à la longue queue. Ah ouais, et d'ailleurs je crois qui nous a pas repéré mais il nous a repéré. Oui, il y a un raptor, je le vois là. Petit tuta raptor. Oui, donc je disais, ouais, problème des tuta raptor, c'est que donc à un moment j'ai respawn. Et je suis tombé face à des raptors qui devaient être à quoi, allez, à 100-150 mètres de moi. Donc je dis bon, je vais les contourner, sauf que je les ai contournés et eux ils me suivaient. Donc je veux bien croire, en plus d'une ils marchent plus vite que nous et en plus ils courent plus vite que nous et puis ils ont plus d'endurance que nous, c'est bon. Donc c'est bien mignon, mais en fait t'es vraiment invisible que lorsque t'es vraiment couché et encore sans quand t'es trop près ils te repèrent de toute façon. Moi c'est vraiment, c'est, je veux bien croire, ah il y a du loot devant. Non mais je veux bien. Non mais ce système de respawn il a chié quoi, au lieu de te mettre dans un endroit de sûreté, il t'emmène directement là-bas. Toi encore sérieux. Ah oui non, moi, je suis tombé carrément sur une bande de raptors. Moi à un moment, ils m'ont respawn tu sais où, mais carrément dans un nid. Hein. J'avais tout plein de trucs qui apparaissent à côté de moi. What the fuck. Ouais. Aucune chance de survie, même pas le temps de récupérer ton matos qu'il y a dans la nacelle. Même pas le temps, je te fais bouffer direct. Surtout que les animaux, lorsque tu meurs éventuellement, que tu arrives à aller jusqu'à ton sac, t'as les dinos qui t'ont kill, qui spawn kill ta position. C'est en gros, ils vont rester, ils vont camper. Ouais, aussi, ils campent ouais. À l'endroit où t'es mort. Ouais. Hein, je prends l'exemple des 4 raptors là qui m'ont tué. J'ai réapparu à quoi, à 500 mètres. J'ai voulu retourner, mais ils tournaient autour de mon sac. Le mec, ils disent, bon les mecs, vous inquiétez pas, on l'a tué. Ok, y a pas de souci. Mais on sait qu'il a réapparu sur la map et qu'il va revenir, donc on va rester ici et on va le spawn killer. Hein. Ouais, en gros c'est ça quoi. Donc moi je dis. Ouais, pourquoi pas, mais
téléphone, c'est qui m'appelle? Je sais pas, ta gueule. Bon, j'entends des raptors déjà, c'est mort, je sais pas ce qu'ils sont. Ouais, je les entends aussi, ouais. Tiens, tu vas voir qu'ils sont là où il y a le coffre. Non, apparemment c'est un groupe. Ils n'ont pas l'air d'être très très loin. Selon le GPS, qui même le GPS d'ailleurs n'est même pas précis, parce que là on entend les dinosaures, mais lui il les détecte pas. Raptor ! Bah oui. Allez, debout ! En ta machette, merci. Il saigne ? Non, là, toi, voilà, il voilà, je t'ai niqué. C'est quoi qui crie comme ça? S'ils sont pas contents parce qu'on a buté leur frère. Ah, ils sont en bas. Tout bas, en bas, t'as un groupe. En bas, t'as un groupe. Il arrive, il y en a un qui arrive. Ouais, ouais, je vois, je vois, je vois. Le deuxième arrive. Bon, c'est bon, là. Pas peine d'essayer, on est foutu. Je sais d'avance que je suis mort. Voilà. C'est ça qui me fait chier, c'est que les dinos, ils ont un GPS sur ta tête. Et là, en plus, on va rester loin de l'autre. Ça fait que voilà. Je vais prendre ma grosse hache déjà. Voilà. Ça sera mieux. Ah, par contre, j'ai respawn, il y a pas mal de choses. Ah, ben moi, ils m'ont fait respawn au même endroit. Ah, bah ça va, t'es pas loin, en fait. Bon, tant mieux. Ouais, t'es... Ah, t'es juste derrière moi. Bon, ça va. T'as d'être mort juste derrière moi, apparemment. Ouais, t'es juste là. Je me dirige vers toi, il y a un loot en plus dans ta direction, donc on se retrouve. Il y a un fucking loot, je sais pas ce que c'est. Enfin, j'ai ma hache. C'est juste des munitions, rien de plus. Bah, vaut mieux avoir des munitions, comme ça on est tranquille déjà. Bon, moi j'ai ma hache, qui fait déjà beaucoup plus mal que la petite machette de merde. Je vais m'acheter. Je sais pas combien, moi j'ai rien du tout. Moi. Bon, tu montes, crétin. Oh, mais c'est quoi, c'est une peau noble. Donc, pour information, tu passes juste à côté, t'es juste à côté de la. Le truc de loot, sers-toi de ton GPS, tu pourras l'avoir. Ouais, mais je préfère garder l'arme que le GPS, parce que le mec il fait pas servir des deux mains, tu vois. Oui, non, mais pour voir ce qu'elle est par rapport à toi. C'est bon, t'as trouvé? Ouais, des munitions. Munitions. Donc, pour information, au niveau du gameplay, on a des personnages. Bon, je sais pas si vous allez voir, par exemple, pour le personnage avec... personnage que je viens de combattre avec le raptor, on a des personnages qui sont de véritables poids lourds. Donc, j'avais dit dans une de mes vidéos, je vous invite à aller la voir si vous l'avez pas vu. Voilà. Donc, les personnages qu'on dirige sont de véritables semi-remorques. Hein, donc, c'est un petit peu beaucoup chiant. Ce qui court 50 mètres, ils sont fatigués. Pour remonter l'endurance, là par exemple je cours. Là j'arrête de courir, je marche, l'endurance n'en monte pas, faut que je m'arrête pour que l'endurance remonte. Donc vous imaginez le truc, t'es poursuivi par un T-Rex quoi. Attends, attends. Je suis fatigué, je reprends mon souffle. Oh oui, t'attends deux secondes. Non, ça va pas marcher. Donc voilà, quand même le combat, le fait de donner des coups de hache, le mec ça le fatigue, une puissance. Là on est en train de se diriger vers la pointe. Ah non, on est à la partie nord, on aurait pas dû croiser ces saloperies normalement. C'est bizarre ça. Mais non, mais tu sais, c'est les mecs qui disent qu'ils sont tous dans le nord, mais je pense pas, tu sais, je pense qu'il y a des petites zones où ils sont. Donc là, droit devant, donc je sais pas si tu. Bah non, toi t'as pas le GPS, tu m'as dit. Droit devant, on a un petit camp avec. Deux coffres à looter, on va voir ce qu'il y a dedans. Un bazooka, un fusil à plasma, un vaisseau, je sais pas, mais quand Minigun, putain, même un char en pièces détachées. Discovery, putain, sors le Discovery, au moins on a toutes les armes. J'ai les blue sprint, en plus, et voilà, on peut l'avoir, c'est bon. Donc savoir que les bonhommes ne peuvent pas sauter par-dessus les cailloux, hein, ça aussi, c'est un peu con, ouais, quand même. Il savait même pas monter, il savait même pas grimper sur un arbre pour au moins se cacher hein. Ou se protéger. Alors qu'est-ce qu'il y a quoi dedans? Alors j'ai. Alors j'ai un arc, des gants.
Je prends l'arc. Hop. Voilà. Dedans, j'ai juste laissé un t-shirt, hein, c'est pas intéressant. C'est mon ancien t-shirt, j'ai changé. Comme vous pouvez voir, les bonhommes marchent tout doucement. Genre, les mecs, ils sont... Ils doivent se battre pour survivre, quoi, mais non, ils marchent. Pas d'endurance, c'est chiant. Théâtre du chef de guerre. Ouh, ça fait peur. Aïe! Putain, il est où? Le connard, il a même pas gueulé, quoi. Le bordel, je l'ai même pas vu, quoi. À part à la fin, quand il t'a sauté. Moi dessus, non plus. J'ai même pas eu le temps de te prévenir, oh. Genre, attends, t'es passé à un mètre de moi, quoi. Arrête de te foutre de ma gueule. Bah, allez, avance, toi, trou du cul. Mais c'est pas possible, ça. On a quoi ici? Ouais, comme si des lunettes allaient me sauver la peau, quoi. Même pas un fusil, quoi. Tiens, ta gueule, toi. Non, mais... Y'a pas un autre, là, qui veut s'en prendre une autre flèche dans la bouche, là? Putain, j'ai même pas eu d'armes, oh, sa mère. Oh. Ils m'ont donné des lunettes de soleil. Du jeu fou, des lunettes de soleil, toi. Ah oui. Oui, je lui tuerai dans le cœur, tu m'étonnes. Je vais arracher le cœur, ce connard. Tu crois qu'il fait ma flèche? Non. T'avais quoi dedans? Des lunettes de soleil? Des lunettes de soleil. Faut avoir la classe. T'as la classe comme ça. C'est même pas des lunettes de soleil, elles sont moches tes lunettes. C'est bon? Je sais même pas c'est quoi. Je le vois pas. Alors regarde-toi. C'est quoi? C'est... T'as dit appuie quoi sur F2. F2, exact. F2. Ouais, je suis un télo. Alors, nous allons calculer la direction ainsi que l'air, à la résistance de l'air aussi, pour l'oiseau. Bah écoute, je te propose qu'on remonte carrément dans le nord. Dans le nord? Carrément. En montant en Bretagne, hein, on sera mieux en Bretagne. Ouais, on va aller voir les Bretons. On va aller voir les Bretons. Normandie, tout le bordel. Normandie, bah ouais. Dans le Schnorr. Dans le Schnorr, quoi. On va voir les ch'tis. Les ch'tis. Excusez-moi. Donc ouais, donc pour ceux qui voulaient regarder, je viens éventuellement de tuer un ptérodactyle, enfin c'est un kekatsqual ou un truc comme ça, mais c'est chiant à dire, donc... kekatsqual ou un truc comme ça. J'ai repris la ptéro, hein. Kekatsqual. Mais non, mais... Ouais, j'arrive jamais à le dire, ça, c'est chaud. Faut imaginer le scientifique qui a sorti ça. Oh putain, les mecs. Non, mais non, c'est même pas l'histoire du jeu, c'est le scientifique qui a sorti ce nom-là, en vrai. C'est son vrai nom à lui? Le Keko? Oui, oui, c'est son vrai nom. Ouais, je croyais que c'était vraiment genre ptérodactyle, quoi, un truc comme ça. Non, non, t'as le pneuronodon, t'as le ptérodactyle. Ouais. T'en as plein d'autres, comme ça. Ouais. Et lui, c'est carrément... Celui-là, ouais, c'est le kekatsqual ou un truc comme ça. Ça doit être le tchèque ou un truc comme ça, je crois. Tchèque? Ouais, je crois. Enfin, pour moi, ça sonne tchèque, un kekatsqual. Comme ça, je me rappelle plus. Attends, je vais faire inventaire. Attends, est-ce que je peux... Non, admin, équipe. Alors, attends. Utahraptor, bien sûr. Quetzalcoatus. Un truc dans le genre. Ok. On va appeler ça un ptera. Ce sera plus... C'est plus facile, ouais. C'est de la même famille, hein. C'est des dinosaures volants. Hein. Donc l'arc marche très bien sur les ptera, mais bon, faut bien viser le cœur. Celle-là, je l'ai one-shot avec une flèche. Ouais. Ou la tête, mais en visant l'œil. Après, c'est un jeu de chasse, donc bon, la tête, à la base, quand tu vas chasser, tu tires pas dans la tête, quand tu vises les parties vitales, donc tout ce qui est le cœur, etc. Je sais pas, tu l'éclates le crâne, il se lève plus, hein. Ouais, mais normalement, t'es pas censé t'écraser la tête, truc de chasse. Je crois c'est pas bon, je crois. Niveau de la chasse, hein, je parle. Après, bon, je suis pas chasseur expert. Je suis pas chasseur moi non plus, donc... Un petit champignon, j'en ai besoin. Alors, normalement, il y a un coffre qui doit être dans les racines. D'ailleurs, moi, j'aime pas trop, genre, les chasseurs, là. De toute façon, donc... Alors, qu'est-ce qu'il y a quoi là-dedans? Munitions de 44, je vais te prendre les soins. Je te laisse munitions de 44, parce que je sais que t'aimes bien les chasseurs, ils bousillent plus qu'autre chose. Je parle dans la vraie vie, hein. Ouais. Donc, j'aime pas trop. Il y en a besoin, hein, les besoins de chasseurs. Ouais, mais bon, ils bousillent plus qu'autre chose, hein. Il y en a, ils font vraiment... Bon, par contre, si on pouvait avoir, par exemple, des petits vélociraptors, ça serait bien, ça one-shot, non, tu les one-shot à l'épée. Un fusil.
Non, non, mais pour l'XP, gagner de l'argent, ce serait sympa, par contre. Ouais, mais bon, l'XP, Ou monter les niveaux. Voilà, quoi. Sûr que c'est mieux de tuer du raptor de l'Utah. Ou même du T-Rex. Je regarde que s'il y a un T-Rex qui promène au loin, parce que je suis pas tombé face au T-Rex. Oh, bah, de toute façon, si tu l'as vu, t'as déjà vu, donc... Après, je crois que tu peux éventuellement avoir une chance de pouvoir t'échapper, mais faut ramper quoi. Mais vu que tu rampes de tension, déjà on marche aussi vite qu'on rampe quasiment. Donc, ah, voilà, on a deux loups en face qui arrivent. Il y a un oiseau là, pas loin. Ouais. Je m'en fous, je sortirai là. Il y a un oiseau. Bon, pour celui-là, je sais qui a envoyé comme créature. Ouais. C'est bon, c'est réglé. De quoi? Oui, laisse tomber. Il y a un coffre en face. Oh, il y a un triceratops derrière ça. Alors, munition de 44, je vais prendre les calibres 12 et je te laisse les 44. Top. C'est bien beau tout ça d'avoir. Il y a fait un tricer derrière. Bon, voilà, hein. Ça serait bien d'avoir le fusil avec. Un pistolet. Ah, ça serait bien. Ah, des soins. Ouais, il y a un ptera là-haut, je vois. Ah, c'est comme c'est quand la dernière fois qu'on a joué, là, putain, il y avait un T-Rex, il y avait deux pteras, on en a eu un, le deuxième, on n'a pas eu. Si, tu l'as eu le deuxième. J'ai eu le premier, t'as eu le deuxième, et après ouais. On a eu le T-Rex. Ouais. Oui, mais je l'ai fait courir ce con. Non, mais l'enculé de sa mère, c'est que j'ai même pas pu le récupérer, le trophée de l'autre, du Ptera. Ça fait que j'ai même pas gagné de points ni rien. Ouais, parce que t'es mort, puis après, mon pucheux. Putain, il est où le Ptera? Il est là-haut. Ouais, non, même. Je le surveille. J'avais sorti le bordel et tout ça pour. Ça a rien fait. Genre, voilà, le machin était genre terrorisé, alors que le T-Rex était loin. J'avais largement le temps de d'envoyer le rapport quoi. On a un coffre droit devant. Par là-bas. Il y a le Ptera là. Je sais pas. D'ailleurs. L'arbre. Derrière l'arbre. Oh, bah non, il est là-bas. Ouais. Il est là au-dessus. C'est bon, il nous a repéré. Du coup, t'as dit que le coffre était où du coup? Attends, je vais sortir le bordel du coup. Ah. Je l'ai eu? Non, je l'ai pas eu. Ouais, il en foutu là, le coffre, quoi. Bon, bah. Bon, y a quoi dans cette merde là? Non, mais sans déconner, quoi. Des flèches, quoi. Et des soins, quoi. Les flèches, tout, hein. Ouais, les flèches, on en a besoin. Flèches basiques de me et des faire soins, tu vois. T'as des flèches basiques et des soins. Prends les soins si tu veux. Non, non, c'est bon, j'ai. Prends-toi. Moi, j'en ai, moi. Même si ça sert à rien. Putain, t'es où? Juste là. Dépêche-toi, il est là, il attaque. Attends, j'essaie de pas être devant ta champ de vision. Je vais me baisser du coup. Allez, attaque du coup. Il est tombé comme une merde. Il est tombé comme une merde. Ah, je deviens bon à l'arc. Ouf. Ah oui, alors je vais transpercer. Je sais pas si c'est le cœur, mais je vais transpercer trois trucs. Je vais t'exposer l'arrière-train. Enfin, en gros, tous les trucs que t'as à l'intérieur. Ouais, je suis nul en anatomie dinosaure. Hein, je suis nul. Hein, je préviens de suite. Je suis totalement nul. Je crois que je l'avais blessé en plus. Ah, il y a un triceratops dans le secteur. Ouais, ça, c'est pas grave, ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a quoi en face? Est-ce qu'il y aurait du loot? Bon, on va continuer de monter, on va continuer d'aller vers le nord. Bah, il y a moins de créatures dans le nord, enfin, on a vu, je sais pas. Hein. En espérant que quand on se fait zigouiller, on va rester ici, et puis ils vont pas nous foutre dans le sud en plein nid, là. Alors, il y a un loot en face. Il y a deux loots. Oula, attends, il y a l'air d'avoir une zone en face. C'est un village. Deux loots en face. Ouais, je vois des bâtiments, c'est un village. Ouais, je crois. Oh, ouais, je crois. Oh, pour rentrer dans une maison, ça pourrait nous abriter un petit peu.
J'aime pas ce grognement. Je sais pas si... Mais j'ai entendu un grognement. C'est quoi? Ah, c'est du... Oh, c'est pas grave. Il y a un trissé dans le secteur, il y a un trissé. Si c'est lui qui a grogné, c'est pas grave. Parce que lui, eux, ils attaquent pas de loin. Eux, c'est si tu t'approches qu'ils attaquent, ils attaquent. Et ils font pas chier. Gros tas de merde avec un os dedans, c'est pas bon ça. T-Rex. T-Rex, oh putain, c'est ouais, lui qui... Il y a du T-Rex dans le secteur. C'est lui qui râlait alors. Ouais. Avec son mode d'aspirateur là. Dès qu'on le voit, en gros, c'est il nous a vu. Si on tourne le dos. Je crois qu'il est là-bas, non? Ah, c'est peut-être un rocher. Je sais pas, on approche des zones de loot, après on se casse d'ici, je pense. Alors, je vois un coffre en face, déjà. Putain, il y a des Utahraptors aussi. Putain, je les entends. Et du raptor aussi, je sais pas si c'est de l'Utah ou si c'est du raptor. Munitions, fusil 700, ouf, alors ça, fusil 700, je prends. Pour lui, c'est un gros dinosaure qui se promène. C'est pas un petit. Munitions de 308, je te les laisse, vas-y, prends-les. Ouais, mais j'ai pas d'armes, quoi, ça sert à rien. De gros dinosaures. Putain, il y a 3 tonnes de il y a 3 tonnes de dinos dans le secteur. What? Calme ta joie, toi. Calme ta joie. Tu es au coffre là? Ouais, je suis au coffre. Il y a quoi dedans? S'il y a de la 700, je prends. 308? Ah, ouais. Voilà. Ok. Donc, faut qu'on arrive à remonter par là-bas. Tu vois la direction? Par là-bas. Tu vois? Il y a de l'Utahraptor, il y a du T-Rex, il y a du Tricé. Ça va, bah allez vite, en une vidéo on aura vu tout le monde. Par contre ça le fait pas tes lunettes. Hein. Ça c'est la chiesse du tricé. Par contre les raptors je crois qu'ils sont juste derrière la palissade. Ouais. Je préfère les raptors, les Utah plutôt que les Rex. C'est devant les raptors malade, par contre. C'est aussi dangereux. Oui, mais t'as plus de chances de pouvoir les kill à la machette que le T-Rex. Que le T-Rex, le problème, c'est qu'il donne un coup de patte au sol et tue. Ouais, bon, t'as, il t'écrase, hein, c'est normal. Par contre, il est pas très grand, par contre, le T-Rex. Hein. Ouais, ah, Raptor, Utah, droit devant. Ok, on se casse. Ah, t'as une arme, toi, on est armé, là. Ouais, j'ai le 700, là. Le vrai fusil de chasse, là. T'as deux munitions, quoi, t'as rien. J'ai 4 cartouches. Viens là. Ta gueule. Bah ça rigole pas avec moi, quand hein. Ça rigole pas. 700, ça rigole pas. Ouais bon, je l'ai traversé de part en part, je vais tout démonter. Donc éventuellement les gens qui regardent la vidéo chez H, normalement vous aurez un lien, normalement en description, si vous voudrez venir regarder les... ben, de mon côté, ce que ça donne éventuellement. Donc le son de moi, quand moi je parle, normalement sera beaucoup plus pourri par contre. Non, faut, je pense à régler d'ailleurs le cam capture. Et on va prendre le T-Rex ici. Et encore un T-Rex. Il est parti par là-bas à peu près. Donc nous on va partir par là-bas. J'ai mis mon point de cela.
Donc ouais, ce qui fait qu'en gros, c'est comme pour The Forest, en fait, là, vous aurez deux vidéos à regarder. Ouais, tout simplement. Parce que j'ai pas amusé à faire le montage tout le temps, ça me prend environ 4 heures à peu près de temps pour faire les montages. J'essaie de couper quand il y a des choses qui se passent de façon intéressante. Vu que pour l'instant, c'est moi qui tue tous les dinosaures, c'est plus intéressant de regarder mon écran. Fais gaffe. Raptor, Raptor. Je te le laisse. T'as besoin d'aide? Il s'est tiré. Il est mort, tiens, tu peux l'avoir, c'est bon, viens, 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 tu peux le récupérer. Ah, il est mort de saignement alors? Ouais. Ouais. Le 308, normalement avec le 308, tu tires bien sur les raptors, deux balles, tu l'as. Tranquillement. Ah putain, je l'ai carrément. Ah oui. Ah oui. Par contre, j'entends beaucoup de raptors. Je l'ai perforé le poumon gauche et l'estomac. Non, par contre, j'entends énormément de raptors. Hein. J'ai perforé. Je sais pas si c'est l'Utah. Je sais pas si t'as entendu, mais t'as vu ce que j'ai perforé. Oh. Le poumon gauche et l'estomac. Ouais, j'entends, mais comme je te dis, moi j'entends surtout qu'il y a beaucoup de raptors. J'ai que 3 cartouches. Donc, soit on essaie de continuer. Ouais, faut essayer de se tirer dans un endroit un peu plus safe. Mais bon, endroit safe ici, ça existe pas. Ah, est-ce qu'on a un coffre dans le secteur à looter? Non, on a l'autre là-bas. Tu nous as avancé, hein. Alors, il y a un Utahraptor en face, je le vois. Il y en a 3. deux, 3, Ouais, non. putain, Ils sont 3, ils sont on va 3, se ils sont tirer, 3. on va Non, se non, tirer. non, il n'y a pas, il n'y a pas. J'ai que 3 cartouches, si j'en loupe un, après c'est toi qui devras les finir. On va plutôt les éviter. Surtout j'en entends d'autres, donc on risque d'en croiser d'autres. Ouais, non, ils sont au fond là-bas, je préfère qu'on aille vraiment à l'opposé. C'est quoi ça? Avec le 700, éventuellement avec le 700, je pourrais pas mal endommager le T-Rex, non, parce que c'est quand même du gros calibre. Mais je pense pas que je pourrais voir. C'est vrai que tu le finis sinon toi avec tes 308. Ouais, je crois qu'on est chargé. Ouais. Ouais, Raptor. Tu peux encore, vas-y. Il est Il est mort. mort. Il y en a un autre pas loin, je crois. Je crois. Vas-y, va le récupérer. Il est mort où ce con là? En face. Je crois qu'il est là. Ouais, il est là, là. Et on se casse le plus vite possible. Oh, j'ai perforé le poumon droite et l'omoplate. Ok. Derrière, Raptor, derrière toi. Merde. Voilà, ça c'est réglé. Putain, encore, j'ai plus qu'une cartouche. Hein. Ouais, j'ai perforé. Tu vois ce que tu vois le truc que t'as perforé toi? En bas, tout en bas. Ah oui, non, je vois pas. Je vois pas, j'ai les écritures par-dessus. On va partir de la clairière parce qu'on est mal placé. J'ai qu'une cartouche, après je suis à l'arc. Bon, ça va, on survit pour ce premier épisode. Je sais pas combien de temps il va faire, mais bon. Chargé encore. Raptor! Raptor!
Ouais, il y a beaucoup de raptors. Pour le moment, restons en fait dans le milieu, j'ai l'impression. Je crois qu'il va mourir plus loin, je crois. Hmm? Le raptor, je pense qu'il va mourir plus loin. Tu peux essayer de le suivre, hein, si tu veux. Tu peux, faut que tu prennes ton GPS pour le suivre avec bah les traces ouais, de son. Le problème, c'est que... Ah non, il y en a un autre qui arrive, là. Moi, que c'est le même. Ah, c'était bien. Ah, c'est pas ça. Ah, gaspille une cartouche. Ah, le A, faut que j'enlève la touche A pour marcher automatiquement. Hop. Succès déverrouillé, blablabla. Attaquant, je crois qu'il est à toi, hein. Prélevé. Ah non, c'est moi qui l'ai. C'est moi qui l'ai tué avec la machette? Tu es sérieux? Ah, c'est pas ah. Le même alors. Parce que merde. J'en ai touché un, normalement. Il y en a un autre, il y en a un. Ouais, j'ai oui, mais le problème, c'est que je t'ai donné qu'un seul coup de machette. Mais il a pris des dégâts de toi aussi, hein. Tu as tiré 4 coups. Moi, 2 coups. Et moi, pas, c'est 2 coups de hache. Ça me l'a pas noté, donc je sais pas. T'as dû avoir un peu de crédit, je crois. Parce que t'as fait beaucoup de dégâts. Hein, tu as touché 4 fois. Moi, 2. Moi, j'ai donné un coup de machette quand il était à côté de moi. À côté de toi. Et là, j'ai donné un coup de machette pour t'aider. Mais... Bon, c'est moi qui l'ai achevé, en fait. Ouais, le Triceratops, on s'en fout. Bon, si vous pouvez trouver d'autres coffres, moi, munitions 700, ça m'arrangerait pas mal. Des munitions, ou même un gun, là, histoire d'une arme de secours, quoi. Tu te restes combien en 308? Bah, il me reste 4 balles dans le chargeur et 4 à l'extérieur. Donc 8, ça 4-4 ouais. Ouais, ouais, 8. Attends, on a encore entendu encore du raptor, quoi. Il n'y a que de ça. Que de ça. Ouais, quand même, par contre, j'avoue une chose, c'est qu'on résiste assez bien, par contre, là, face au raptor. Mais bon, le meilleur kill, c'était le premier que j'avais animé, quoi. J'ai le bousillé comme une vertébrale avec le flingue. Ah oui, le tout premier, là. Je l'ai explosé la colonne vertébrale, il est tombé après. Il était épique, j'avoue qu'il était avec épique. Le pistolet, en plus, hein, Magnum. Il était bien, cette raptor arme, derrière, ça. Qui nous suit. Derrière, raptor qui nous suit. Sa mère. Ça te le fait? Arrête de bouger toi. Arrête de bouger toi. T'as raté. Ouais, accroche-toi hein. Normalement si tu aurais touché il serait venu. Hein. Là, oui, là tu l'as eu. Je sors la hache. Mort, c'est bon. Ou par contre il est mort dans les... Vas-y, récupère-le si tu veux. Ouais, alors... là, après le V, t'es Raptor pour Dracos. Ouais, c'est moi qui l'ai eu. C'est moi qui l'ai fini. Patte postérieure droite, l'intestin, oh, patte postérieure gauche, l'estomac, oh putain, la massacre. Oui, il est en pièces détachées quoi. Par contre, toi, c'est moi qui l'ai eu, c'est moi qui l'ai achevé avec la machette, donc c'est ils m'ont compté pour moi. Donc en fait, toi, c'est la personne qui le tue, en fait, qui récupère le truc. Ok. Et donc, moi, j'ai rien du tout, quoi. Ok. Bah, si, normalement, si, t'as un bonus d'argent et un peu d'XP. C'était marqué en haut, ce que t'as récupéré, normalement. Ouais, ça m'a rien mis, donc... Bon. Bon, pas de T-Rex, ça serait bien, j'aimerais dire qu'on serait... Bien équipé. Bon, il y a du Triceratops dans le secteur en fond de la piste. Par contre, on essaie de chasser un tricé. On n'a pas encore fait ça. Non, c'est vrai. Bon, en mettant un tricé, voilà quoi. Bon, j'ai qu'une seule cartouche de 700. C'est de l'arc après. Et l'arc, j'ai. 13 flèches, ok. Moi j'ai qu'une seule arme, donc... Ah, pas le couteau, c'est tout. Du loot, s'il vous plaît, ce serait sympa. Mission de 700, je prends. Dans la map. Alors, attends, on a un feu de camp ici, donc ça on l'avait fait déjà.
À moins que ça respecte les machins. Non, je pense pas. Je pense pas. Par contre, j'ai vu que là-bas, il y a une base militaire. Il faudrait que je trouve une map. Une map, tu dis? Ouais. Une map du jeu, je la mets sur le téléphone. J'ai deux fragments de... Deux fragments, j'ai. Ah, si tu veux, donnez-moi. Je les mets dans le GPS, vu que je me sers du GPS. Non, franchement, les lunettes, ça te fait trop pas quoi, les Là. lunettes. Alors, hop. Je vais prendre le jeu. Inventaire. Alors, fais voir ce que ça me débloquait. On a un campement là-bas, c'est tout. Ouais, putain, il donnait le même truc. On a un campement. Il est par là-bas. Les deux fragments, c'est le Ah, même non, on va truc. aller voir le campement. Se moque de notre gueule, Ouais. quoi. Enfin, ouais, non, t'avais même pas pu y donner un par un parce que je pense que c'est. Par contre, je vais juste me soigner, par contre, parce que je suis Ouais, c'est une bonne idée, un peu tiens. dans Ouais. C'est vrai que... la merde. On a dit c'est le 4. Un spray très usagé. Putain, il ne soigne pas ce con! Mon spray ne va pas soigner. Voilà, deux petites. Oh non, moi ouais, ils sont trop usagés, ils m'ont pas soigné, putain. Les boules, quoi. Faut des champignons. Champignons hallucinogènes. Oh. Ok, tout va bien. Un champignon. Oh, un dinosaure qui vole. Oui, c'est un terrain. Non, c'est un T-Rex. Le mec est complètement shooté. Caisse. Caisse droit devant. T-Rex qui vole. Sans déconner, T-Rex. Alors, le pire qu'on ait eu, c'est quand on arrivait, tu sais, sur une des bases là où t'avais un T-Rex qui... Ah, il y a deux loots dans le secteur. Peut-être une chance. Il y avait un T-Rex qui surveillait le truc. Putain, ça c'est chiant ça. Ah oui, ça. On a quand même réussi à lutter, hein, malgré qu'il était là. Ouais, moi je me suis fait bouffer moi en faisant le con. Le T-Rex, là, qui est votre gars, là, qu'on l'avait enchaîné avec, je sais pas quoi, une fusil dans la gueule, là. Ah oui, celui-là, bah, j'avais pris la photo, mais laisse tomber, il était en pièces détachées le T-Rex. Lui tirait avec Normalement, on du... est dans le vent donc. C'était même pas avec du 7 qui Normalement, de ce que tirait, tu me c'était dis. carrément du 1200 avec qui tirait, quoi. Le bordel, on entendait à 650 mètres, quoi, le De ce T-Rex. que tu dis, normalement, on est dans le vent, d'accord? On avance dans le vent. C'est-à-dire, si un T-Rex en face de nous, Il il nous peut nous entendra, repérer parce il nous qu'il a des sentira pas, branches. mais ceux qui sont derrière, ils nous sentiront. Si, Voilà, nous c'est sent... ça. si, s'il est en face de nous, il nous sentira parce qu'on a le vent qui ira. Le vent va vers nous, va tout droit. Nous va. Par Ah. contre, s'il est derrière nous, normalement, il n'est pas censé nous sentir. Ouais, c'est ça, ouais. Il y a une caisse qui doit être dans le secteur. Où la caisse? Hey, dis-moi de la 700 parce que je suis à court. Cartouche calibre 12, bon je prends, et des flèches basiques. Ah putain, même pas 308. Ouais. Oh là là. Non. On va aller voir l'autre. Faut chier quand même. Il nous donne même pas les moyens de survivre et il faut qu'on survive ici, quoi. Il nous donne même pas les moyens de survivre, quoi. Ah, surtout quoi, les niveaux pour débloquer les armes sont chiants quand c'est un On est premier vraiment... En niveau. fait, les C'est mecs, on est, dark c'est quoi. carrément... D'accord, c'est pour une colonie, tout ça, mais en fait, on était des prisonniers, et puis C'est c'est le ça. couloir de la mort, hein, c'est tout, hein. Ah oui. Non, c'est pas le couloir. Non, non. C'est l'île de la Muerte. Ouais, L'île voilà. de la Muerte. Mais en gros, on était des gros Quoi? bandits, genre qui terrorisaient tout le monde, en fait. Genre, tu vois, on était vraiment des psychopathes de la mort qui tue, tu vois. Ils avaient plus de place pour enfermer tous ces psychopathes, alors ils nous ont foutu ici, quoi. Psychoquac. J'ai dit psychopathe, j'ai pas dit psycho-quack. Toi, tu adores Non mais moi psycho-quack. j'étais dedans, j'ai un psychoquac. Psycho-quack. Pourquoi pas Psycho-quack, go! Psycho! Carrément perdu. En train de se tenir sa tête, là, le bordel. En train de tenir sa tête, le bordel. Il sait même pas ce qui lui arrive. psychoquac, attaque choc mental. Psycho. Ah le coffre, il va être dans le secteur, il va être là-dedans. Au départ, c'est psychopacte, moi. C'est psychoquac, il est vraiment à chier, mais 308. après, quand il évolue en aquaquac, il est excellent, quoi.
munitions 308 pour toi. Ah, ça c'est bien ça. Je te les laisse. Hop, par contre j'ai pris le spray pour soigner. Ouais, moi ça va, il m'en reste encore. Donc... Ah, mais il n'y a que... Non, mais... Il n'y a que deux munitions, quoi. Deux, quoi. What the fuck, quoi. Tu moques de ma gueule. Ah, c'est toujours deux. Avec deux, mais... tu tues un raptor, hein. Mais non. Bien visé, t'as un raptor. Mais non. Moi, j'ai qu'une cartouche de 700, hein, fais pas chier. Okay. Ouais, mais toi, one shot, one kill. C'est un T-Rex. Putain, t'imagines un T-Rex, aurait lui exploser la tête, quoi. Bon, dommage, il n'y a pas le démembrement. T'imagines, c'est la tête, elle devient carrément noire, quoi. Je sais pas si tu peux vraiment pousser la couleur à fond, quoi. C'est pas, le noir ou autre. C'est pas là où non plus. Mais moi, je veux du squitch et tout le bordel, que ça gicle et tout, tu vois. Du style, quoi. Ce jeu est trop mignon pour ça, t'es fou, toi. Ah, champignon. Champignon. Ne mange pas trop, hein, parce qu'à peau, tu vas être malade après. Non, malade, genre, dégueulé par terre. Ah bah, j'avance beaucoup moins vite d'un coup. Je suis tout petit. J'arrête ici. What? Je te voyais même plus. Ah, non, ah t'étais dans les buissons. Ah ouais, avec ton flash. Par contre, il y a une marque bleue devant, donc il y a du dino. C'est quoi? Ah, moi, c'est une marque rouge comme la mort, tu vois. C'est rouge feu, tu vois. C'est genre. Voilà. Ouh, c'est du raptor. Hein, Vélociraptor, yeah, on peut aller chasser du raptor. Bon, arrête, ça fout deux points de vie. Si, ça c'est bon. Ça c'est bon, ça. Avec la moi, machette. Je chasse hein du raptor. Non, en même temps, ouais, la machette, pareil. Ouais, là, une... Je les entends. Ils doivent pas être très loin. What? Petit raptor. Et tout ce dans le secteur. Ouais, ils sont là. Et bien, c'est tout. Ah, mais c'est les bébés de l'autre dinosaure là qu'on est en train de bouger. Non, c'est Vélociraptor. Ils ont la même gueule. Les Vélociraptor. Oui, non, je sais, parce qu'ils sont pas fichés, ils ont mis des Utahraptors en mode plus petit. Parce que en fait, à la base, les vélociraptors, voilà, un vélociraptor officiellement, c'est aussi gros que ça, les vrais vélociraptors. Après, les vélociraptors qui t'ont mis, par exemple, dans Jurassic Park, bon, ils ont grossi le truc, mais c'est voilà, c'est plus des Utahraptors qu'il y a dans le film Jurassic Park. Petit, ah, il y en a en face. Faut voir ce que les petits Utah par contre ils peuvent te sauter dessus. Si on a d'autres. Ils sont plus gros que ceux-là. Non, c'est les mêmes. C'est limite pas trop, c'est même pas marrant, limite t'es en train de buter des bébés quoi. Bon, c'est un peu de thunes déjà. 72 points d'XP, non mais qu'est-ce que tu montes en niveau avec ça toi? Voilà. Un peu de crédit, un peu d'XP, en même temps ça permet de les montrer. Et nous on continue. N'hésitez sur notre passage, écoute, on en profite, hein. Un peu d'XP, un peu d'argent gratos, c'est génial. Ouais. Moi je crie pas non, hein, t'es quelqu'un qui me dit bonjour, je te donne de l'argent, je vais pas dire non, voilà. Bon, continue. Toi je préfère chasser ça, tu vois, c'est tranquille, c'est peinard, ça fait pas chier. Bon, ça va, pour moi j'ai pas ragé, c'est étonnant plus, donc ça va. Si les T-Rex on pouvait les tuer comme ça, ce serait bien. C'est le KM50 et tout, ça sert à rien, il sert plus à rien. Rétriciler ces T-Rex avant. Ouais. Le machette, tu te tapes sur un T-Rex avec la machette, ta machette qui se casse quoi. Cling. Oh. Oups. Genre s'il pouvait te parler, il va dire
tarier mon écaille. Putain, enfoiré. Un petit coup de peinture et... Non, ta vie. C'est net. C'est calme, n'empêche. Putain, il n'y a pas à dire. C'est dans la partie nord, il y a moins de créatures à partie nord, je crois. C'est calme. Ah ouais, putain, on est carrément pratiquement tout calme. Au nord. J'aime pas trop beaucoup ça. Je préfère quand c'est un tout petit peu plus, beaucoup moins calme. Si tu le dis. Il y a un loot droit devant. Ah, par contre, ça serait bien qu'il rajoute vraiment d'autres dinosaures, hein, genre les Dilophorus. Ouais, je pense pas. Et j'en passe, Stegosaure, Ankylosaure. J'imagine un Ankylosaure. Ça leur coûtera trop d'argent, il n'y a pas si de gens qui l'ont acheté. T'imagines, attends, mais regarde Ark, il rajoute régulièrement des dinos. Ouais, mais attends, pourtant, il y a beaucoup plus de. Il y a beaucoup plus de joueurs oui, aussi. Mais regarde, au début, Ark, là... quand il est sorti, t'avais beaucoup plus de dinos. T'avais déjà beaucoup de dinos. Ouais, mais parce qu'ils avaient. T'avais pas 5 dinos, c'est parce tout. Parce qu'ils ont fait beaucoup d'argent. Alors que si tu veux pas compter avec pas mal d'argent, c'est. C'est Avalanche Studio, hein, c'est pas le tout petit studio non plus. Ouais, ah, ouais je veux bien Avalanche, mais moi personnellement je connais pas vraiment Avalanche Studio, hein, je sais pas, hein, moi je. Et moi, je dis, moi ça me dit quelque chose, faut que je regarde, j'ai toujours pas regardé, mais faut que je pense à regarder dans mes boîtes de jeux, je crois qu'il y a un jeu comme ça. Sur la console. Je sais pas, moi ça me dit quelque chose Avalanche Studio. Ouais, ça me dit quelque chose. Après, ce qu'on peut dire, c'est que vraiment le graphisme, il est beau. Ça, il n'y a rien à dire. Le graphisme, ouais, il est beau. Par contre, mon IA est un petit peu conne. Là, on est en full, en full qualité, là, avec nos ventilateurs, et franchement, il est beau. Pas full qualité. Voici, on est en full qualité. Hein. T'es en combien de temps? Je crois que je vais être full, je sais pas. J'ai pas trop regardé, en fait. Non, je crois que je suis en full, je crois aussi. Et il est beau, le jeu. Ah, il y a deux loot, et puis après, on aura le truc. Ah, plus loin, on dirait qu'il y a un camp ou quelque chose dans la base. Oui, c'est là-bas qu'on va, c'est ce que ta carte m'a donné, si je ne me trompe pas. Par contre, il paraît que dans le jeu, il y a une épave de bateau qu'on peut explorer. Ah ben non. Alors attends, apparemment, ça a l'air d'être un truc militaire, parce que alors, là, c'est pas du tout là où je voulais aller à la base. En fait, le GPS, il me fait faire tout le tour de la map du monde entier, en fait. 308 et je prends les flèches. Tiens, 308. Toi plaisir. Je crois que j'avais vu qu'il y avait une épave de bateau, je crois. Ah attends. On va aller en face, t'as deux loot. Des photos. On espère qu'il y aura... Raptor. J'ai entendu Raptor. Moi j'ai entendu son Raptor. Ouais, je le vois. On va aller au fond là. Ah, il nous a vu. Ouais. Il se dirige vers nous. Tant qu'il n'arrive pas, c'est si, si, vous avez vu, hein. Oui, non, je me doute, mais le... On va déjà aller là-bas. Ouf. Tant qu'il ne course pas, ça va pour l'instant. Ah, mais il nous a vu. Non, c'était pas... Oui, non, mais je sais, mais si, dis-nous, même si tu retournes même si tu tournes le dos, bah, il nous court. Là, je serai courant. Okay, je sors la machette. Viens là toi. Il s'est tiré. Il y en a un autre qui arrive. Attention. Je crois qu'il est mort. Ouais, il est mort. Non, il y en a un là. Non, c'en a un autre. J'hésite de tirer parce que je sais que ça va émeuter les autres si je tire là. Il y a trop proche. Quoi. Oui, mais moi par contre, j'ai plus d'endurance. Oui. Il y en a deux autres encore. Je crois que celui que t'as tiré, il est mort. Mort d'hémorragie. Alors, on va essayer de loot assez rapidement. C'est un vrai Niraptor ici, putain. Ah, coffre. Qu'est-ce qu'il y a quoi dedans? Des flèches basiques, je prends.
Un pot à triceratops. Oh, cool ça. On peut attirer des triceratops avec ça. Gants, pantalons. Ouais. Je te laisse le reste. C'est des vêtements principalement. Vas-y, chouette. Ok, j'ai un appôt à triceratops. Il y a un arc en bois aussi. Ouais, mais j'ai déjà moi, donc j'ai pas besoin. Ah, par contre, les gants, je vais les récupérer, les gants. Vas-y, vas-y. Ah. Attends. Je vais tester la peau pour voir. Ah, mais là, tu vas y mettre tout le monde, là. Non, c'est pour les triceratops. Ok. Alors, il y a un deuxième coffre. Qui est droit devant. Ah, ça va aussi que dans le jeu, nos bonhommes ne peuvent pas nager. Normalement, si je m'approche trop près de l'eau, voilà. Vous voyez, là, je peux pas avancer. Je suis bloqué. Et, non, c'est vraiment... C'est vraiment des teubés profonds qu'on a, quand même. Ils savent pas nager, ils savent pas sauter pour courir. Je ramasse un caillou. Il y a un autre coffre qui doit être... Où est le coffre? Allez. En coffre, il y a quoi? 308, soins, les gants, soins, soins, soins. Bon, je te prends les soins. Je te laisse le 308 et il y a un fusil. Et c'est un fusil 308, donc t'auras pas besoin. Ah, prends juste tes munitions, c'est tout ce qui vite. Ouais. Et bon, pistolet, on s'en fout un peu, quoi, parce que c'est du 308, donc vaut mieux que tu gardes ton fusil, je pense. Plus puissant. Je sais pas, j'ai jamais utilisé ce fusil. Je crois que ce pistolet, il a qu'une seule balle, je crois, en plus. Mais je sais pas s'il est plus puissant. Je sais pas. Bah, prends et essaye, hein, si tu veux. Par contre, je pense que le pistolet peut être utile, peut-être, en court portée. Par rapport au fusil. Alors, je vais retourner donc sur la map, qui m'a pas dû tourner là où je voulais qu'on aille. Ouais, merci. Fais gaffe. Il est où le raptor? On va essayer de récupérer les raptors. What? Qu'on a tué, on a tué deux normalement. T'as pas eu un bug de connexion? Hein? Quoi? J'ai eu un bug de connexion, ça m'a remis. Ah. Ah, on va essayer de zigouiller les Utahraptors droit devant. Deuxième, il y en a deux, il y en a deux, il y en a deux, on est foutu là. Alors je vais tester avec le pistolet du coup en courte portée. Bon. Ah putain, je l'ai pas écouté. Ah, trop con. Ah, c'est bon. Oh, il y en a un qui est mort. Ouais, parce que moi j'ai plus de... Lui, il est mort. C'est bon. Il en reste un qui court là-bas contre le mur. Tiens, viens là, viens là, viens. Viens là où je suis, tu pourras l'avoir. Viens là où je suis. Il y en a un qui court contre le mur, tu peux l'avoir. Ah merde, il a arrêté de courir contre le mur. C'est pas grave. Oh, il est reparti dans le four. Il cherche ses potes, c'est ça? Ouais, j'ai, mmh. J'ai perforé les deux poumons, poumon gauche, poumon droite. Bon, bah on va essayer de récupérer les deux qu'on a zigouillé tout à l'heure. Je vais me soigner par contre, ce serait bien. C'est moi, il y a un GPS qui est HS là. C'est des trucs, des notes qu'on peut lire. Ouais, c'est des notes normalement qu'on peut lire. Alors, c'est comment? Peter Murphy, journal numéro 25. Nous avons décidé d'un nom pour cet endroit. Tu t'approches, t'appuies sur eux. La baie des raptors. Nous allons enfin quitter cette maudite planète et aller tout droit au paradis. Le sang a été versé, la viande est fraîche et nous pouvons déjà entendre au loin ceux qui vont venir nous délivrer. Ok, bon lui il va pas bien. Donc ici en fait ça s'appelle la baie des raptors. Voilà. Par contre, ce qui est un peu chiant aussi, ce que je trouve chiant, c'est que ça te marque pas les dinos quand ils sont morts ou où ils sont. T'es obligé de suivre les traces de sang, mais des fois tu les perds un peu les traces de sang. Ah ouais, ouais c'est vrai. Faut que ça les marque. Normalement, il y en a deux qui sont morts pas trop loin dans le secteur. On les retrouve. Ah, il y en a un là déjà.
Ouais, ça c'était le mien. Putain, je lui ai donné 6 coups de hache. Hein. Et toi, je crois que le tien il est mort dans l'eau. Ouais, le tien il est là. Je le capture. Et ouais, je t'ai pris pour toi, voilà. Donc moi, Raptor, donc c'est un mâle. Donc argent gagné, 194, expérience 42. Donc moi, c'est ce que moi je me suis fait. Bon, allez. Donc là, on repart tout droit de là, par là où on est arrivé. Il y avait un campement, non. C'est bon, t'es derrière. Ouais. Donc. Ça fait combien de temps qu'on est en train de jouer, là, pas de sur le je sais pas. Et bah éventuellement, je propose qu'on s'arrête là. Ouais, je pense que c'est mieux. Hein. Et on va reprendre ici pour le deuxième épisode. Voilà. Ouais, je pense que c'est mieux. Voilà, messieurs, dames, les gens, je vous invite à vous abonner donc moi, pour ce qui me concerne à ma chaîne, à la chaîne de H. Pour ma chaîne, vous aurez une playlist. Je sais pas comment il fera ça à l'entien, on verra ça sur sa chaîne. Dans tous les cas, vous aurez en commentaire des deux vidéos, le commentaire pour aller voir la vidéo de la deuxième personne. Voilà. Sur ce, bonne soirée, bon jeu, etc. Au revoir. Au revoir.